Chers téléspectateurs, 5 de Pique célèbre le sculpteur et peintre abstrait Naïm Doumit. Né en 1941 dans le Chouf, Naïm Doumit étudie à l'ALBA. La bourse d'études que lui alloue le ministère de l'Éducation au Liban lui permet de compléter son cursus en Italie. De 1962 à 1965, il se forme en peinture et en sculpture à l'Académie des Beaux-Arts et à l'École des Arts Décoratifs à Rome. De 1966 à 2005, Naïm Doumit enseigne à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université libanaise, à LAU et à l'Université Saint-Esprit à Kaslik. Il en dirige le département des arts de 1977 à 1980. L'artiste participe à plusieurs éditions du Salon du printemps du ministère de l'Éducation au Liban. Il participe au Salon d'automne du musée sur Soc en 1965. Naïm Doumit tient de nombreuses expositions individuelles au Liban. Ses œuvres font partie d'expositions internationales, notamment en Irak, en Jordanie, en Algérie, en Égypte, en Grèce, en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Italie. Parmi les monuments qui lui sont commandés, citons un bas-relief pour la ville de Jeddah en Arabie Saoudite en 1978, ou plusieurs sculptures pour la ville de Aïn Saadé au Liban dans les années 70 et 80. Cinq de Pique vous présente Nature. La gouache a été réalisée par Naïm Doumit en 1993. Le tableau appartient à la collection du ministère de la Culture au Liban. En printemps, des problématiques propres aux deux disciplines, le mouvement du sculpteur devient le trait du peintre romancé. Il modèle un thème cher aux praticiens, le nu féminin, exploré entre autres par Edgar Degas tout au long de sa carrière. Pris entre tradition et modernité, l'auteur se montre fidèle aux valeurs acquises durant son parcours académique. Il affirme cependant son attrait pour le renouveau formel entre figuration et abstraction. La gouache offre une qualité de texture. Elle rythme la vibrance chromatique centrale et dorée des deux modèles. Ces dernières posent sur un fond sombre qui les met d'autant plus en valeur. Suivant les canons européens, pour mieux s'en détourner, les formes généreuses du bassin des femmes sont typiquement méditerranéennes. Dans la lignée de l'héritage des arts primitifs, dans la continuité du lait d'Henri Moore, la référence à la fertilité est presque sacralisée. Le support métaphorique célèbre la volupté orientale où l'odalisque, croqué dans une position affirmée, semble maîtresse de son destin. Le regard sans cesse renouvelé de Naïm Doumit fait renaître une nouvelle facette des sujets qu'il traite à travers un regard amoureux. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de Pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art et à la résolution des conflits esthétiques.